Bonsoir à tous, bienvenue à Horizon Sport. Vous êtes sur Equinox Télévision. Le 15e tour international cycliste du Cameroun. Nora Sport, vous êtes sur Equinox Télévision. Le 15e tour international cycliste du Cameroun n'aura finalement pas lieu. Le premier coup de pédale devait être donné ce samedi 10 mars 2018 et la compétition devait s'achever le 15 mars prochain, mais finalement, ce ne sera pas le cas. L'Union cycliste internationale, l'UCI, a margé sa colère. On va le dit comme ça, a ruminé sa colère au Cameroun après avoir multiplié des réunions avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de cyclisme. Finalement, le budget qui devait être alloué à cette compétition n'a pas été débloqué. De grosses conséquences. Les conséquences lourdes sont envisagées pour le Cameroun qui pourrait ne pas participer aux prochaines échéances à l'international. En ce qui concerne le cyclisme dans cette édition d'Horizon Sport, nous parlerons également du championnat de Elite One qui est rendu à sa 7e journée ce dimanche et même le championnat Elite Two qui est rendu à sa 3e journée. Mais surtout, nous parlerons également de cette conférence de presse donnée cette semaine à Marrakech entre le président, avec le président de la Fédération camerounaise de football, le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football et le président de la Fédération royale marocaine de football. Le Maroc affirme qu'il n'a pas du tout l'intention de voler l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Le point a donc été fait cette semaine par le président de la Fédération royale marocaine de football. Voilà un peu le menu de cette édition de Horizon Sport avec nos invités en plateau ce soir. Clément Zeko, bonsoir. Bonsoir Hippolyte, bonsoir aux compagnistes. Je dis bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs, au rang desquels je mets les QPA qui sont en formation à l'heure actuelle à RC. Consultant sur Equinox Télévision, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle de l'annulation du 15e tour cycliste international du Cameroun? On est désolé, véritablement désolé, simplement parce que le temps d'annulation est tellement court qu'un certain nombre de choses n'ont pas pu être faites. Je prends par exemple la présence de l'Algérie et même du Rwanda. Pourquoi pas je prends par exemple la présence de l'Algérie et même du Rwanda. Pourquoi pas de l'officiel de la course? Ça fait en sorte que les délais n'ont pas été respectés. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'on pourra être sanctionné. Maintenant, quelles sont les raisons qui militent à cela? On nous parle de problèmes budgétaires. Nous savons tous que le Cameroun est un pays très procédurier. Hein, et puis les procédures sont tellement longues et lentes que, comme il y a beaucoup de personnes qui interviennent, ce n'est pas très facile que les choses soient accélérées. Et n'oublions pas qu'il y a eu un événement le 2 mars, un événement de taille, avec le remaniement ministériel qui a touché à la fois le ministère de l'économie et des finances, a fait en sorte qu'il y a le temps de mettre les hommes en place et de passer parfois certaines écritures, ça peut prendre du temps. Je pense que en réfléchissant sur cet angle-là, on peut comprendre aisément pourquoi ça n'a pas pu marcher. Merci, Olivier Sévé, bonsoir. Bonsoir Hippolyte, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux amis sportifs. Vous êtes l'adjoint au chef de pôle de l'ANAFOOT pour la région du littoral et le directeur général de l'ANAFOOT a annoncé en début de week-end que la phase des formations effectives démarre ce samedi 10 mars 2018, après donc la phase des tests et des autres présélections que vous avez effectuées sur l'ensemble triangle national, mais précisément vous dans la région du littoral. Ben, je pense que le programme a toujours été déroulé d'une manière universelle et commune. Donc, à chaque fois qu'on doit entamer un programme, le DG fait une sortie pour communiquer, pour informer. Et je pense que c'est de ça qu'il était question. Donc, après la vaste campagne d'enregistrement qui était partie du 18 décembre au 28 janvier, on a eu place au casting final qui, n'est-ce pas, était parti également du 2 février au 18 février. Donc là, on se rend compte qu'il était parti également du 2 février au 18 février. Donc là, on se rend compte que tout a été fait et les listes aujourd'hui sont mises à la disposition des chefs de pôle. Et suite, n'est-ce pas, à sa sortie, à cette conférence de presse, pour faire la publication officielle également des listes et le lancement du programme proprement dit de la préparation. Donc, dès demain, on va se mettre au travail à tour de rôle avec le chronogramme qui a arrêté dans la planification annuelle elle-même. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les stagiaires retenus seront externes dans les pôles
régionale. Et bien évidemment, on travaillera 3 fois par semaine. Et à chaque fin de semaine, il y aura des rencontres d'évaluation pour continuer à mieux préparer ces jeunes. Thierry Yarokamta, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sylvestre. Vous êtes du management de Bambou Toss de Boudin, club d'Elite One au Cameroun. C'est la première division. On est rendu à la 6e journée et bientôt la 7e journée sera dimanche prochain. Bambou Toss de Bouda qui alterne entre victoire, défaite et match nul. C'est quoi la philosophie de ce club cette saison? Oui, la philosophie de Bambou Toss est la même. Le club le plus populaire du championnat national, voire de la sous-région de l'Afrique centrale. Le principe du travail consiste à satisfaire nos membres sympathisants, supporters. Donc, cette alternation, j'allais dire l'alternative victoire-défaite pour une première fois devant AS Fortuna. Mais quels sont les objectifs de Bambou Toss cette saison? C'est le club, l'un des clubs les plus populaires au Cameroun, mais depuis le retour en première division, Bambou Toss ne gagne rien. Le titre, cette année, le titre est toujours le titre. C'est le club qui a 50 ans d'existence. Et vous avez donné les moyens pour cela? Oui, nous avons proposé. C'est le club qui a 50 ans d'existence. Et vous avez donné les moyens pour cela? Oui, il faut les moyens. Oui, vous savez, le budget de cette année n'est pas le même pour les années antérieures, surtout qu'on a eu à transférer le club, le siège d'entraînement au niveau du littoral. C'est-à-dire le recrutement des joueurs, logement, site hébergement. Et puis, entraînement, ce n'est pas facile, compte tenu de la réhabilitation du stade de Bouda. Et puis, tous les moyens sont mis en place. La preuve, le recrutement a été fait d'une façon efficace. Et puis, le reste à jouer, c'est face aux adversaires. Et puis, compte tenu de la situation que nous avons eue, on a rebondi devant Edding. Et puis, j'aurai l'occasion de t'expliquer et mieux distiller nos membres et sympathisants. Maître Ben, bonsoir. Vous êtes de la Fédération Camerounaise de Karaté et Discipline Affinitaire, mais vous êtes ce soir en plateau en qualité de directeur technique du FADAM, le Festival africain des arts martiaux. Les castings sont bouclés. Effectivement. L'impression que vous avez eue en bouclant ces castings, c'était laquelle? Nous sommes très satisfaits déjà de la manière où les castings se sont déroulés. Il y a eu une grosse affluence. Et je pense que nous avons eu sur l'ensemble du territoire près de 300 artistes, comme nous les appelons, qui ont été retenus. J'espère qu'ils vont briller et ils vont faire briller le Cameroun lors de ce festival. Et il faut rappeler qu'ils étaient un peu plus de 1000 postulants. Ils étaient très nombreux. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais je me contente juste de ceux qui ont été retenus. Mais c'est tout. D'accord. Et la grande démonstration sera le mois prochain, au mois d'avril. Oui, c'est dans 27 jours, si je pense bien. Ça va être le 6 avril. On va commencer à Yaoundé et le 7 à Douala. Et le promoteur de ce festival, Maître Dominique. On va commencer à Yaoundé et le 7 à Douala. Et le promoteur de ce festival, Maître Dominique Satenan, qui est qu'on appelle le Bruce Lee africain, a promis, ici même en plateau, sur le plateau d'Horizon Sport, qu'à cette occasion, le Cameroun accueillera pour la première fois des grands maîtres tels que Jackie Chan. Ça reste confirmé. Jackie Chan, il sera là, ça c'est clair. Il sera au Cameroun. Il sera au Cameroun, le grand maître, même le pape du temple de Shaolin aussi sera là. Je pense que ça sera la première fois au Cameroun qu'on aura ces personnalités. Et j'espère que nous aurons l'occasion de les avoir prochainement, une autre fois, même si ce n'est pas dans le même cadre. D'accord. Merci à tous les quatre, messieurs, d'être en plateau ce soir. On va donc parler de cette annulation du 15e tour cycliste international du Cameroun. La compétition, le premier coup de pédale devait être donné ce samedi et la compétition devait s'achever le 15 mars prochain. Mais en début de matinée de lundi, on a appris qu'une réunion de concertation entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique, la Fédération camerounaise de cyclistes et l'Union
cycliste international qui s'est tenu jeudi jusque tard dans la nuit n'a pas pu produire des résultats probants. Eh bien, tout ce qu'on a retenu, c'est que le budget qui devait être alloué à cette compétition n'est finalement pas disponible. Les procédures qui sont assez draconiennes du côté du ministère des Finances n'ont pas abouti à quelque chose. Hein. On sait qu'il y a eu changement de portefeuille, il y a un nouveau ministre des Finances qui est arrivé. Il était précédemment à l'économie, il débarque aux finances depuis lundi dernier officiellement. Aux finances débarquent à l'économie. Est-ce que c'est ça qui a dû créer ces goulots d'étranglement? On ne pense pas, puisque l'administration, elle est continue, bien évidemment. Donc, même s'il y a eu changement de ministre, la procédure, elle était déjà engagée depuis. Clément Zeko, à votre avis, comment est-ce qu'on doit appréhender cette annulation? C'est une grosse honte pour le Cameroun, quand même. Oui, le préjudice est grand, le préjudice sportif est grand. Et parce qu'on va causer un préjudice sportif très... Oui, le préjudice est grand, le préjudice sportif est grand. Et parce qu'on va causer un préjudice sportif très grand chez les autres, nous devons en être responsables. Et cette responsabilité ne peut pas nous réjouir. On ne peut pas se réjouir de ce que c'est arrivé comme ça. Maintenant, et je rappelle qu'il y avait des délégations qui avaient déjà fait le déplacement. Oui, l'Algérie était là. Il y a les coureurs rwandais qui étaient déjà là. Il y a les coureurs algériens qui étaient déjà au Cameroun. Et il y a d'autres coureurs qui avaient déjà entamé les procédures pour faire le déplacement de l'Algérie. À l'international, les délais donc, étaient déjà entièrement dépassés pour pouvoir faire les mouvements. Parce que il faut déjà. Il fallait d'abord. Pour les équipes qui veulent vraiment se mettre dans le bain, ils viennent avant pour s'acclimater avant de commencer. Donc les délais, tous les délais étaient à dépasser. Donc ceux qui ne sont pas encore arrivés, certainement sont en route. C'est vrai que la communication va vite, ils seront informés et ils vont arrêter leur voyage à l'endroit où ils vont se retrouver avant de retourner. Mais maintenant, je disais que le préjudice est très grand. Et parce que le préjudice est grand, nous devons nous sentir vraiment offusqués. Nous devons nous sentir déshonorés. Nous devons nous sentir un peu irresponsables, même pas un peu, très irresponsables, parce que... une de nos habitudes, il faut qu'on le dise clairement, une de nos habitudes, qui voudrait qu'on croit, le Camerounais croit qu'il est maître du temps, qu'il a le temps. Ce qu'il doit faire à l'instant, il dit non, je peux faire ça demain, il n'y a pas de souci, je peux faire ça après. Or, nous sommes entrés dans une phase où ce qui est important, c'est ce qui est urgent. Ce qui est important, c'est ce qui est urgent. Quand ce n'est pas urgent, on ne prend pas la peine de se mettre en route. Jusqu'au moment où on se rend compte qu'on est pressé par les délais. Et parce qu'on est pressé par les délais, on va faire les choses d'une certaine manière. Or, avec l'argent, ça ne se passera pas de cette manière. Parce qu'il y aura des fautes de gestion. Si vous ne faites pas en respectant la procédure, il y aura faute de gestion. Même si vous ne détournez rien, il y aura faute de gestion. Donc, il y a à ce niveau-là ce manquement qui, à mon sens, aurait milité à ce que cela arrive. Parce que on sait deux sens. Aurait milité à ce que cela arrive. Parce que on sait depuis au moins un an qu'on aura une course de cette nature-là en cette période-ci au Cameroun. On le sait très bien. Et ce n'est pas la première fois, on était rendu à la 15e édition. Je dis, on le sait très bien. Au moins depuis un an, on sait au moins que l'année qui va suivre, on va le faire. Et on sait quels sont les délais dans les procédures. Donc, pour nous, il faut commencer tôt. Dès qu'une course est finie, on entame les démarches pour l'autre, à telle enseigne que, quelle que soit la lenteur, au bout d'un an, ça aura abouti. Mais si nous attendons les dernières minutes, ça, on sera coincé. Et je pense que c'est parce qu'on a attendu peut-être les dernières minutes, on a eu. Et n'oublions pas aussi que le Cameroun est engagé sur plusieurs chantiers. Véritablement, quand on dit que nous n'avons pas l'argent, c'est vrai qu'on n'en a pas. Parce que nous sommes engagés en tous les chantiers à la fois. On a même appris que le gouvernement dit que sa priorité en ce moment pour ce qui est du sport, hein, c'est l'organisation de la CAN 2019. Donc s'il faut maintenant débloquer un budget, c'est pour la CAN. N'oublions pas que la CAN, nous avons gagné son organisation depuis 2014. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ça fait 4 ans. Mais parce que ce sera l'année prochaine, vous voyez, la procédure d'urgence, nous allons entrer dans la procédure d'urgence. Nous sommes essentiellement urgentistes. Et à ce niveau-là, il peut avoir des loupés. Il peut avoir des loupés. Et s'il y a des loupés, on fait comment? Le Cameroun est engagé sur plusieurs fronts de dépenses. Plusieurs fronts. À telle enseigne que s'il y a un front qu'on peut négliger, on fera vite de le négliger. Vraiment, ce n'est pas pour insulter le cyclisme, mais c'est simplement pour dire qu'à un moment donné, ce n'est pas prioritaire. Ça n'a pas été prioritaire. Vu la masse salariale, la masse monétaire
qu'on peut manipuler à cet instant-là. Vassilios Olivier Sémé, en plus du Cameroun, en plus des coureurs camerounais, il y avait près d'une dizaine de délégations qui étaient attendues au Cameroun. Deux étaient déjà présentes depuis le milieu de la semaine, le Rwanda, l'Algérie. Il y a, pour préparer une compétition comme celle une compétition internationale de cyclisme, ce sont de gros moyens qu'on dégage parfois, hein, surtout pour les autres pays qui mettent beaucoup de moyens pour venir remporter ces compétitions, même qui se déroulent au Cameroun. C'est une grosse déception tout de même pour une compétition qui est annoncée depuis plus d'un an. Eh bien, à partir du moment où nous avons l'habitude de dire qu'il n'y a pas de sport mineur, je crois que c'est une grosse déception. Donc, il est clair que, véritablement, là, on accuse un coup énorme. Je pense que cela va davantage ternir l'image de marque des sportifs que nous sommes. Il est clair que dans la vie, ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Donc, on se comporte un peu là comme si on est surpris de ce qui arrive, alors que la course elle-même, elle est annulée la veille du départ. Donc, au niveau des délégations, il y a des véritables manques à gagner, notamment sur le plan sportif. Pour les calendriers, n'est-ce pas, des fédérations qui sont professionnelles. Voyez-vous, il était prévu à cette période proprement dite que il y a des cyclistes des différentes fédérations qui seront là pour, n'est-ce pas, compétir, et une compétition qui rentre dans le cadre d'un calendrier bien défini, autant international, par l'Union internationale des cyclistes, autant également par ces différentes fédérations. Donc voilà, c'est également un coup qui est accusé sur le plan financier. Pas seulement pour le Cameroun, beaucoup plus déjà pour ces fédérations qui, n'est-ce pas, n'ont ménagé aucun moyen pour faire le déplacement, pour être au Cameroun. Donc, sur le plan culturel également, c'est le Cameroun qui prend un coup. Donc maintenant, il faut se poser des vraies questions, parce que on ne doit pas être là pour dédouaner le ping-pong des ministères ou des personnes qui se déplacent. On a la 15e édition, n'est-ce pas, du Tour cycliste international du Cameroun. Donc, c'est un programme bien connu à l'avance, Donc, s'il y a échec, c'est que nous n'avons rien planifié. Parce que quand on ne planifie pas, c'est qu'on s'attend à l'échec. Quel est le vrai problème aujourd'hui? Est-ce que on annule parce que c'est l'État qui finance toujours le Tour cycliste camerounais? Donc, si c'est là le problème, il faut que ce tour s'autofinance. Il y a des firmes internationales qui peuvent prendre en charge l'organisation du Tour cycliste camerounais. Donc, on peut, à un moment donné, si on pousse la réflexion aussi profonde que cela puisse être, il est fort possible que si on a fait un appel d'offre pour l'organisation du Tour cycliste camerounais, c'est une compétition qu'on peut enlever au Camerounais, même si elle va continuer à avoir l'appellation du Tour cycliste camerounais. Mais ce qui se passe là, véritablement, je veux bien comprendre toutes les explications que Clément essaie de donner. Mais là, on a touché le fond. Parce que si le slogan que nous avons au Cameroun, celui du chef d'État, voulait qu'il n'y ait pas de sport mineur et que tous les sports se valent, je pense qu'on vient de donner un coup. On vient d'assommer là le cyclisme camerounais dans toute sa grandeur. Ça, il faut le dire. Le Cameroun, qui s'est vu béni par l'Afrique, choisi pour organiser la course de l'espoir des 23 ans qui venaient de se passer il y a encore quelques semaines. Et dans le déroulement a été retentissant tout de même. Hein. Bien sûr. Pardon? Dans le déroulement a été retentissant. Oui, ben, il faut le dire. Moi, je dis c'est une très grande désolation pour tous les sportifs. Parce que lorsque ça touche le cyclisme, qui est un sport, forcément, ça doit toucher toutes les autres fédérations. Thierry Arokamta, l'argument selon lequel l'enjeu majeur pour ce qui est du sport que le gouvernement a prévu gérer, c'est-à-dire. Toute activité sportive qui rentre dans le calendrier du gouvernement, dans le calendrier gouvernemental, l'enjeu le plus important, c'est celui de la CAN. Est-ce que c'est un argument qui tient quand on sait également que les autres compétitions participent au rayonnement du Cameroun à l'international? Tout de suite, cet argument... je balaie cet argument du revers de la main, tout de suite. Ça, c'est pas un argument justifié. J'allais dire à justifier. Pourquoi? Vous savez, la Fédération cycliste du Cameroun, c'est une fédération qui se doit d'avoir un budget. Donc, ce dérapage, je qualifie ainsi, est juste
Donc, c'est l'immaturité. Non, quand on s'accroche à la perfusion gouvernementale, on peut à un moment donné prendre la mauvaise perfusion. Oui, la perfusion gouvernementale n'existe plus. Puisque nous avons subi de nos jours, nous sommes au 21e siècle. Donc, les mutations sociologiques démontrent que nous ne sommes plus à l'ère du tout État, où l'État doit faire tout, où l'État est le perfuseur, l'État est le gendarme, le policier. La preuve, voilà, où on attend les finances du gouvernement. L'État a dit qu'ils n'en ont pas. Il a sa priorité. Sa priorité, c'est la CAN. Comment a-t-on fait? Même cette priorité qui est la CAN, qui couvre le football. Est-ce que vous savez qu'on a renvoyé le championnat de football à 3 reprises à cause des fonds? Est-ce que c'est ça aussi la priorité? Puisque la CAN est la coupe, c'est-à-dire c'est la coupole. Le général Seming était obligé de dire qu'il faut qu'on lance. Il faut qu'on lance. Vous savez, il a fait de bec à ongle devant le ministre des Finances, devant le ministre des Sports. Et si on vous dit que les clubs jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore perçu leurs enveloppes, ça serait un scandale. J'arrive. Comment se fait-il que un tournoi majeur comme le cycliste se trouve capoté à la porte avec certaines équipes qui sont sur place? Le Cameroun est incapable de financer ce tour cycliste. Est-ce que le Cameroun sera capable donc de gérer le contentieux? Le Cameroun est incapable de financer ce tour cycliste. Est-ce que le Cameroun sera capable donc de gérer le contentieux? Le manque à gagner, puisque c'est une préparation pour tous les pays qui ont été invités. Et je dois rappeler que le budget, en principe, pour chaque compétition de tour cycliste international, c'est une centaine de millions environ qui sont débloqués par le gouvernement camerounais. Qu'est-ce que la fédération va donc faire pour pouvoir gérer ce contentieux du manque à gagner? C'est-à-dire dans l'esprit d'abord des annonceurs, dans l'esprit des Camerounais et dans l'esprit de tous ceux qui ont été invités. Parce que là, il y a des sanctions en perspective, parce que l'Union cycliste internationale va frapper le Cameroun. Il y a des sanctions qui sont donc prévues. Donc il n'y a pas de sport majeur ou mineur. La priorité n'est pas l'urgence de la CAN ou du football. Si c'est le cas, regardons donc comment le championnat a été lancé. Maître Brahim, vous êtes de la Fédération camerounaise de karaté et discipline affinitaire. Avant d'aborder votre casquette de directeur technique du FADAM, le festival africain des arts martiaux. Je reste d'abord sur votre casquette de membre de la Fédération camerounaise de karaté et discipline affinitaire. Est-ce que entendre ce genre de choses, ça vous inquiète, vous qui êtes d'une fédération autre que celle qui gère le football? Est-ce que ça vous ramène sur cette réalité qui veut qu'on parle au Cameroun de sport majeur et de sport mineur? Pour moi, vraiment, disons, ça ne m'étonne pas. Mais je dirais que c'est quand même un scandale qu'en 2018, on se retrouve dans des situations de ce genre. C'est comme si nous ne savions pas depuis 15 ans, vous dites, qu'il y a la course, la 15e édition du Tour cycliste camerounais, qu'on ne savait pas qu'il y aurait une 15e édition. Que ce soit la fédération, elle aussi, elle est dans les mêmes problèmes que l'État. Si l'État doit te soutenir, tu dois aussi prendre tes dispositions. Parce que si chaque jour nous comptons sur l'État qui parfois a aussi ses limites et ses priorités, eh bien, il faudrait que les fédérations aussi cherchent des moyens, des voies et moyens pour pouvoir organiser des compétitions. Et surtout, quand on parle du tour cycliste du Cameroun, c'est quand même des compétitions. Et surtout, quand on parle du tour cycliste du Cameroun, c'est quand même pas une histoire seulement de la fédération. Ça touche déjà le Cameroun. Ça s'appelle au Cameroun des compétitions de souveraineté. Voilà, comme vous dites, souveraineté. Bon, dans le gouvernement, prend l'État. Tout à sa charge, prend une grosse partie, si vous le voulez, à sa charge. Sécuriser et la fédération n'assure que le volet technique, en principe. Oui, théoriquement. Ça, tout est en théorie, là. Mais là où ils sont, là, vraiment, c'est la catastrophe. Parce que je ne sais pas comment est-ce que demain, on va redemander aux autres pays de venir l'année prochaine pour un autre tour cycliste. Je pense qu'ils vous diront que oui, d'accord, on viendra, attendez-nous toujours. On vous dit que nous allons prendre la pause. Mais non. Alors, selon vous, le plus gros problème ici, c'est quoi? C'est que ce n'est qu'à la veille du début de la compétition qu'on informe tous les supposés ou les prétendants, ou tous ceux qui doivent prendre part à cette compétition, que la compétition est finalement annulée, ou c'est simplement parce qu'il n'y a pas eu finalement le budget?
Le plus gros problème, c'est quoi? Je pense que c'est pas aussi s'ils ont attendu que certaines délégations soient arrivées pour se rendre compte qu'ils n'avaient pas d'argent. Vraiment, je pense que les gars de la Fédé, il faut qu'ils revoient un peu ce qu'ils font. Parce que vous ne pouvez pas attendre que les délégations arrivent et puis vous leur dites « Ah ben écoutez, je pense qu'on ne va pas faire la compétition. » Les gars quand même, ils étaient en contact permanent. Parce que pour qu'une équipe quitte l'Algérie pour le Cameroun, c'est pas la porte, c'est pas Douala et Déa. La Fédération algérienne de cyclisme échange forcément avec la Fédération. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. C'est pas Douala et Déa pour qu'on se dise « Bon, il peut faire 30 minutes, il arrive. » Donc je pense que notre rôle à nous, dans notre pays, c'est de nous réorganiser et changer nos mentalités. C'est d'abord ça. Et finalement, sur les doigts de qui devrait-on frapper? Devrait-on frapper dans cet échec-là? La fédération d'abord, elle-même. Oui. La fédération. Ensuite, maintenant, on peut aussi... Dans cet échec-là. La fédération d'abord, elle-même. Oui. La fédération. Ensuite, maintenant, on peut aussi se plaindre de l'État. La fédération, à partir du moment où c'est elle l'organisatrice de la compétition, c'est elle qui connaît l'importance de cette compétition sur le calendrier, dans le calendrier de ses activités, elle connaît. Et connaissant l'importance, elle doit se donner les moyens nécessaires pour garantir un déroulement, même au minima possible. C'est-à-dire que sans loger tout le monde au paradis, mais qu'on soit quand même, pas en enfer, mais qu'on soit quand même capable de faire la compétition. Donc, c'est la fédération elle-même. Et quand on parle de la fédération, on sent donc que dans ses activités, elle doit apprendre ou bien elle doit se donner les moyens de lever les fonds. Et quand on connaît le Tour cycliste du Cameroun, on sait que c'est un, comme nous le disons chaque fois ici, c'est un produit marchand que l'on peut bien vendre. Si un temps soit peu, on y met des marketistes. Il faut mettre des spécialistes à chaque endroit. Vous mettez des marketistes sur ce projet, ils vont vous donner les possibilités de lever les fonds. Et en levant ces fonds-là, on va garantir un minimum. Mais maintenant, dans la procédure avec l'État, il faut s'y prendre très tôt. Il faut s'y prendre très tôt pour que la lourdeur, la lenteur et même quoi d'autre, les sautes d'humeur par moment, parce que parfois, les procédures sont respectées, mais les humeurs d'hommes sont de nature à laisser, on dit bon, pour le moment, on va voir, on a autre chose. Alors que la procédure a abouti, il faut simplement décaisser. Donc, à côté de ça, je dis donc, même l'État doit être un peu être blâmé, mais être blâmé simplement parce que pas l'État en tant qu'institution, mais l'État en tant que c'est plutôt le gouvernement, donc les personnes qui sont en charge de mettre en application les textes de l'État, c'est-à-dire, et ce sont ces personnes là qui de temps en temps parfois ont un souci. On venait de relever ici le problème qu'a eu le président de la Fédération Camerounaise de foot, de la Ligue professionnelle, pour pouvoir lancer. Simplement, heureusement que lui, il a une carte de visite suffisamment pour pouvoir lancer. Simplement, heureusement que lui, il a une carte de visite suffisamment étoffée pour pouvoir susciter une attention quand lui, il parle. Mais maintenant, si vous n'avez pas la même étoffe ailleurs, ce sera difficile. Vous allez aller en tant que président de fédération, on ne va pas vous considérer au même rang que celui-là. Donc, et à la fin, c'est le Cameroun qui est plongé dans la boue. Et véritablement, nous devons à la fois laver la boue que nous avons encaissé et celle que nous avons suscité chez les autres. Parce que le préjudice que nous avons causé chez les autres est tellement grand que, quelle que soit la nature de la sanction qu'on nous donnera, elle ne pourra pas être à la hauteur du préjudice, causé dans aux autres. N'oublions pas qu'ici, notre cycliste expliquait que cette course-là, c'est une course de 2,5, je crois. Et les équipes qui vont venir chercher à magasiner le plus de points pour avoir de l'aura à l'international parce qu'ils voudraient passer un cap. Or, dans le programme, dans le calendrier de ces fédérations, on a mis cette compétition. Maintenant que cette compétition n'est pas là, où va-t-on trouver la substitution de ce tour-là pour pouvoir engranger les points qui étaient nécessaires pour pouvoir aller... Vassilios Olivier Sémé, le projet, c'est très grand. On n'imagine tout de même pas une Coupe d'Afrique des Nations de football annulée à la veille du coup d'envoi pour un problème de budget. Ça confirme simplement ce qui s'est dit depuis sur ce plateau, la confirmation de la logique du sport mineur et du sport majeur au Cameroun. Ouais, ben disons que pour le cas du football par exemple, la Confédération africaine a mis les garde-fous, c'est-à-dire que
On a un délai de 6 mois pour décider si vous allez accueillir la CAN ou pas. Donc, au moment où 6 mois avant, entre 7 ou 8 mois avant, lorsque la dernière mission d'inspection arrive, si les travaux ne sont pas rendus à 80-90%, je pense que cela est suffisant pour vous retirer l'organisation de la CAN. Maintenant, c'est des questions qu'il faut se poser au niveau Union Cycliste Internationale, parce que s'ils avaient eu ce genre de règlement, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le budget et la faisabilité, peut-être 2 mois ou 3 mois avant ou 1 mois avant, on annule la compétition ou on la repousse d'une date. Parce que ce qui se fait véritablement mal à ce niveau-là, c'est que la compétition elle-même a été annulée la veille du départ. Donc il n'y avait aucun gêne ou aucun mal. Si le mal était détecté, connu avant, dans la faisabilité, et qu'on avait saisi les délégations, y compris même les cyclistes camerounais qui se préparaient elles-mêmes de tout stopper, ou de renvoyer la date, ou simplement d'informer les participants que la course en elle-même elle n'aura pas lieu. À ce moment, on n'aurait pas eu le même tollé qu'on a ce jour, parce que c'est à la veille du départ et à la dernière réunion, une réunion qui était censée, celle de mise au point, n'est-ce pas, du déroulement de la course proprement dite. C'est à cette réunion qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de budget. Maintenant, à qui la faute? Je pense que ici sur le plateau, on l'a déjà dit, la fédération cycliste est le premier responsable, parce que sur le plan technique, elle n'a pas su tenir les rênes de l'organisation sur le plan technique. Parce que si on parle de la technicité, je prends un exemple, c'est-à-dire que je suis entraîneur de football, mon équipe joue à Bouya le lendemain. Je pense qu'en semaine, j'ai déjà discuté de les commodités, n'est-ce pas, du déplacement avant le match proprement dit. Hein, parce que le match, lui, il intervient si on a fait tout le déplacement. Si on n'a pas fait le déplacement, on le dit. Hein, parce que le match, lui, il intervient si on a fait tout le déplacement. Si on n'a pas fait le déplacement, on ne peut pas faire le match. Donc, il faut anticiper. Anticiper, c'est voir quels sont les moyens que nous avons pour faire le déplacement. Donc, si nous n'avons pas les moyens, nous avons un délai de 48 heures que nous a imposé la fédération pour demander le report de notre match, quitte à nous de chercher des moyens. Donc, c'est des mécanismes qui sont mis sur pied pour essayer de prévoir. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Et dans ce mot planifier, vous allez mettre tout ce qu'il y avait à planifier à l'intérieur, en commençant par l'organe technique qui avait encore des possibilités de dire, n'est-ce pas, à ces autres attendus que nous ne sommes pas dans la mesure de pouvoir vous accueillir. Nous ne sommes pas dans la mesure de pouvoir techniquement organiser la compétition. C'est-à-dire que nous n'avons pas la logistique pour, nous n'avons pas les moyens nutritionnels pour, nous n'avons pas les hébergements pour, nous n'avons pas plus les dispositions sécuritaires pour. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si tout cela est fait, l'argent que met l'État à disposition, c'est pour les prix, c'est pour les couvertures sociales, c'est pour l'assurance, c'est l'hébergement pour et autres. Donc, si à un moment donné, on est à la veille et qu'on n'a pas réuni les moyens pour, je pense qu'on a échoué longtemps avant. C'est une semaine avant, on doit être capable de dire que nous avons préparé un plan A ou un plan B. Donc, c'est clair, c'est un échec total. On va parler maintenant de l'organisation de notre compétition, celle-là peut-être qui rend le gouvernement un peu plus gai, la CAN 2019. Même pas. Et alors que vous savez qu'il y a des informations qui ont circulé, hein, beaucoup de Camerounais, même au-delà des frontières camerounaises, beaucoup attribuent au Maroc la volonté de vouloir voler, c'est le mot, au Cameroun, l'organisation de la CAN 2019. Le point a été fait cette semaine par le président de la fédération marocaine de football. Il était accompagné du président du comité d'organisation de la FECAFOOT, Mekhedou Dounapi. Ces deux hommes ont donné une conférence de presse à Marrakech, au Maroc, où ils ont tenu à clarifier les choses. Le Maroc affirme qu'il est d'ailleurs même prêt à accompagner le Cameroun, à appuyer le Cameroun dans l'organisation de la CAN 2019. Je propose quelques extraits de cette conférence de presse. On se retrouve juste derrière un plateau. Merci à vous tous. Merci à mon cher frère, le président de la Fédération camerounaise,
On a tenu à vous parler pour mettre fin à des rumeurs qui ont circulé sur la place publique il y a un bout de temps. Le fait que la CAN 2019 est discutable et que le Maroc, etc. Je vous réitère encore une fois la position de la Fédération royale marocaine de football et le Royaume du Maroc. Le Royaume est à côté de nos amis camerounais. La Fédération est à la disposition de la Fédération camerounaise pour faire de la CAN 2019 au Cameroun une fête du football africain. Donc, fini toutes les rumeurs. J'ai réitéré cette position à Monsieur le Président. On est tous ensemble au service du football africain. Et le Cameroun, c'est un pays ami, comme vous le savez toutes et tous. Les relations entre le Cameroun et le Maroc ne datent pas d'hier. C'est une relation profonde dans l'histoire. Les relations entre Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et Son Excellence le Président Biya du Cameroun sont des relations qui dépassent de loin et qui se situent au-dessus des manifestations footballistiques. Donc la CAN 2019, ça serait encore une fois un espace de démonstration des relations fraternelles, des relations profondes entre le Maroc et le Cameroun, entre la Fédération camerounaise et la Fédération royale marocaine de football. J'ai dit au Monsieur le Président, vous choisissez les axes de partenariat, on est à vos côtés, on serait à vos côtés dès aujourd'hui pour mettre à votre disposition tous nos dispositifs, tous nos acquis pour faire, comme je l'ai dit, de la CAN 2019, la première CAN à 24 équipes, une fête du football africain sur les terres de notre cher pays, frère et ami, le Cameroun. À vous, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par remercier infiniment le Président de la Fédération marocaine de football pour cette déclaration qui, comme il a indiqué, devrait mettre définitivement un terme à toutes les rumeurs. Je voudrais surtout dire que nous ne sommes étonnés qu'à moitié. Et le Président de la Fédération marocaine de football, le Royaume du Maroc et le Roi du Maroc viennent ainsi de faire la démonstration de la fraternité africaine. Une belle leçon de la solidarité qui doit être le fondement de notre vivre ensemble. Je voudrais remercier très sincèrement le président de la Fédération marocaine de football pour cette déclaration. Pour cette déclaration historique, il faut le reconnaître, parce que comme il vient de dire, nous venons de passer d'un système de 16 équipes à 24 équipes qui a suscité énormément de rumeurs et je crois que cette déclaration est une déclaration qui restera dans l'histoire du football. Quant au reste, comment pouvait-il en être autrement ? Lorsqu'on sait que les relations entre le président Paul Biya et le roi du Maroc sont des relations qui n'ont jamais souffert un seul instant, une seule seconde, de quelque fois que ce soit. Lorsqu'on sait que les relations entre le Cameroun et le Maroc sont des relations d'une fraternité exemplaire. Lorsqu'on sait que les Camerounais et les Marocains, aussi bien au Maroc qu'au Cameroun, ont toujours vécu dans la paix, dans la concorde, dans la solidarité. Lorsqu'on sait que chaque fois qu'il y a un match entre le Cameroun et le Maroc, c'est l'une des fois où les stades de Yaoundé ou de Douala font vraiment le comble, où il n'y a pas de place. Pour le reste, nous prions Dieu que le Seigneur puisse faire en sorte qu'entre le Maroc et le Cameroun et entre tous les pays africains, cette fraternité, cette solidarité soit pérenne. Je vous remercie.
Et voilà, une belle accolade pour définitivement taire cette polémique. Fausse ou vraie polémique, Thierry Yarokamta, avait-elle lieu d'être? Parce que beaucoup ont prêté au Maroc l'intention de vouloir retirer au Cameroun l'organisation de la CAN 2019. Ça s'est accentué lorsqu'on a vu les images du président de la Confédération africaine de football, le président Hamad, en visite au Maroc. Il allait sur les pelouses de quelques stades. Du coup, on a dit qu'il allait inspecter les stades pour retirer la CAN au Cameroun et l'attribuer au Maroc. Alors que ce n'est pas son rôle d'inspecter les infrastructures sportives pour attribuer une CAN à un pays. Oui, d'entrée de jeu, par rapport à l'allocution de M. Fouzi, le président de Royal Marocain. De la Fédération Royale Marocaine. Oui. Conjointement avec celle de Dieudonné Hapi, tout de suite, je qualifie, c'est-à-dire cette entrevue, d'une diplomatie du fair play. Ça, c'est la diplomatie du fair play que nous vivons dans le sport, principalement pour le football. En ce qui concerne les rumeurs, ça, c'est le contenu de cette sortie, les rumeurs qui se sont prêtées aux hallucinations de la part des Camerounais. Et puis, ça tendait même à une aliénation par rapport à notre capacité et notre capacité avec ce que nous avons vu avec la Fédération du cyclisme. Donc, ça soulève comme ça la problématique de la capacité et la capacité d'un pays à organiser une compétition comme ça. Est-ce que justement les Camerounais ou alors ceux-là qui ont prêté au Maroc l'intention de vouloir retirer l'organisation de la CAN au Cameroun, est-ce que ces Camerounais n'étaient pas simplement animés par, ou alors hantés par le fait de voir que de constater que les choses n'avancent pas beaucoup pour ce qui est des différents chantiers au Cameroun à ce moment-là. Tout à fait. Ils sont hantés par le fait, ça c'est le patriotisme pour tout un chacun, pour tout Camerounais de tout bord à organiser une cérémonie pareille. Mais vivons, allons-y de façon factuelle. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on vit pour pouvoir répondre aux normes et aux exigences de la FIFA avec la CAF. Maître Ibrahim, on le voit donc clairement avec cette sortie des présidents de la Fédération Royale Marocaine de Football et du Comité de Nations de l'Africa Foot. On se rend compte qu'on avait fait, certains avaient fait un gros procès d'intention à la Fédération Marocaine de Football ou alors au Maroc, qui selon eux voulaient retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Le football, ou alors au Maroc, qui selon eux voulaient retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Ben, je pense que au lieu qu'on se plaigne chaque jour que quelqu'un veut nous faire un coup de pied dans le dos, veut nous faire un enfant dans le dos, il faudrait que nous apprenions à nous organiser. Parce que si nous étions organisés, mais le Maroc, on n'allait même pas entendre parler d'eux. Si nous avions tous nos stades depuis, je peux dire, depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, c'était en 72. Alors si depuis 72, on s'organisait à monter un siège dans les stades, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas à ce niveau. Donc arrêtons de nous plaindre, arrêtons de voir le diable ailleurs. C'est nous qui sommes responsables de tout ce qui nous tombe dessus. Parce que si nous faisons correctement, comme vous disiez, pour le cyclisme, s'ils n'attendaient pas le dernier jour, eh bien c'est aujourd'hui le jour du départ. Où est le sifflet? C'est anormal. Moi, excusez-moi, je suis dans les arts martiaux. S'il y a compétition, je ne vais pas attendre. Attends, on va aller où là demain? Ou alors au moment où tout le monde est arrivé, on dit, ah ben tiens, nous n'avons pas les kimonos, nous n'avons pas la ceinture. Mais non, c'est scandaleux. On doit être prêt. Quand nous voulons organiser des compétitions au niveau international, nous savons d'avance que nous avons peut-être 1 an, 4 ans, 8 ans, eh bien on s'organise. Et on ne vient pas chercher le pays qui voulait récupérer. Écoutez, s'il voulait récupérer, il l'aurait récupéré depuis belle lurette, hein. Parce que je pense que c'est maintenant à nous de nous battre pour garder, pour avoir tous nos acquis. Ce n'est pas aux autres. Personne, dans le monde d'aujourd'hui, personne ne vous fera de cadeau, hein. Alors, Vassili Olivier Sémé, il faut simplement travailler et cesser de faire la chasse aux sorcières. Oui, il faut continuer à travailler. Je pense que si les Camerounais sont inquiets, ils sont inquiets, n'est-ce pas, sur l'avancée des travaux. Donc, c'est normal que si, du point de vue interne, on n'est pas rassuré, que
si du point de vue interne, on n'est pas rassuré, cela ne peut que servir davantage à alimenter les réseaux sociaux. Maintenant, nous voulons tous que cette CAN se tienne et que notre pays l'organise. Et aujourd'hui, je pense que ce que nous avons vécu ce jour avec l'Union cycliste internationale, cela doit montrer aux uns aux autres que la complexité d'exécution que nous avons parfois dans notre pays avec les relations interministérielles, les lourdeurs, les lenteurs, c'est tout ça qui amène la plupart de certains de nos compatriotes à continuer à être sceptiques, à continuer à être inquiets et à comprendre que cette chose-là, lorsqu'elle n'est pas sortie de terre, lorsque nous n'avons pas de garantie, il y a toujours des lueurs de crainte. Donc maintenant, c'est bien vrai que la sortie du président de la Fédération royale marocaine peut ici, à mon sens, taire, n'est-ce pas, toutes ces supputations, rassurer les Camerounais, encore que le Cameroun, dans la campagne, n'est-ce pas, du Maroc pour l'obtention de l'organisation de la Coupe du Monde 2026 a vu, n'est-ce pas, à la tête, n'est-ce pas, un Camerounais de nom Samuel Eto'o être nommé comme l'ambassadeur du projet marocain. Donc, il y a quand même de bons lieux et de bonnes raisons que ces deux pays frères puissent se côtoyer. Et on ne peut pas comprendre que d'un côté, c'est un Camerounais qui soit l'ambassadeur du Maroc pour, n'est-ce pas, la Coupe du Monde, et que de l'autre côté, que ce soit le Maroc qui soit en train de menacer le Cameroun pour la non-tenue de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est de bonne guerre. Et maintenant, le président de la CAF a de bonnes raisons. S'il est de passage au Maroc, peut-être pourquoi pas de vérifier les installations, parce que c'est un pays qui est sur plusieurs fronts à la fois, ne l'oublions pas. Ce sera notre ambassadeur, l'ambassadeur de l'Afrique pour, n'est-ce pas, la deuxième Coupe du Monde qui pourra être organisée sur les terres africaines. Donc, je pense que de leur côté aussi, ils ont un chantier assez vaste pour tenir leur dossier. Ce serait le bon temps, pourquoi pas, de soutenir la candidature du Cameroun. Pourquoi pas, comme il a dit, d'aider le Cameroun en tant que partenaire dans l'organisation de cette nouvelle formule de la CAN. Mais si nous-mêmes, dans le pays, nous ne prenons pas les devants, si sur le plan technique de la réalisation, de l'exécution, des délais, nous ne mettons pas les choses à la place qu'il faut, je pense que même si le Maroc, par fraternité, à un moment donné, au moment où peut-être l'inspection de la CAF se rendra compte qu'on n'est pas prêt, si le Maroc ne sera pas prudent, je pense qu'il y aura un autre pays. Parce que le Maroc peut ne pas être prudent parce qu'aujourd'hui, il a donné une garantie de ne pas cette sortie diplomatique. Mais il y a d'autres pays africains qui, si le Cameroun n'est pas prêt aujourd'hui, vont se voir présenter. Clément Zeko, quand, avec un peu de recul, on arrive même à se poser la question de savoir, mais finalement, d'où est même partie cette folle rumeur? Comment est-ce qu'on a pu s'imaginer qu'un pays à qui la CAN n'a pas été préalablement attribuée veuille maintenant voler l'organisation de cette CAN au Cameroun, quand on sait combien c'est une lourde machine que d'organiser une compétition comme la CAN? Non, disons que les Camerounais ont voulu s'effrayer tout seuls, simplement parce qu'ils se sont rendus à l'évidence qu'ils ne remplissaient pas les conditions à l'instant pour tenir les obligations de la CAN. Souvenons-nous, je le dis toujours, nous avons gagné le concours d'organiser la CAN avec les dessins, les discours et les photos. Mais on organise une CAN avec les stades, les hôtels, les photos. Mais on organise une CAN avec les stades, les hôtels, les hôpitaux, les routes, ainsi de suite. Donc, après avoir gagné le concours avec nos photos et nos dessins, on se serait mis immédiatement en chantier pour construire ces infrastructures-là et être éligible définitivement à l'organisation. Mais nous avons pris du temps pour commencer. Heureusement que nous avons fini par commencer. Mais malheureusement, en commençant tard, nous avons accusé quelques retards par rapport à un certain nombre de délais. La preuve, c'est que on est passé de la construction sur site, c'est-à-dire qu'en principe, on devait construire tout sur place.
on est passé de la construction sur le sud au préfabriqué. Et à un moment donné, on a même failli louper le préfabriqué parce que les retards de livraison ont failli être la raison de louper. Donc, c'est pour dire que nous avons été en retard sur un certain nombre de choses. Et constatant le retard et regardant l'auréole du Maroc, on a craint que le Maroc, qui s'intéresse à la CAN, ce n'est pas parce que diplomatiquement, on se dit des choses là, qui s'intéresse à la CAN, parce que dans l'optique... Vous croyez que le Maroc s'intéresse à cette CAN 2019? Oui, parce qu'il vise la Coupe du Monde 2026. Coup d'essai. Et qu'ils veulent un galop d'essai. Oui, ils veulent la Coupe du Monde 2026. Et même, le Maroc a beau dire que non, vraiment, il ne nous menace pas. Mais ce n'est pas le Maroc qui va nous retirer l'organisation. Encore parce que ce n'a pas été le Maroc qui nous l'a attribué. Donc, n'allons pas nous effrayer par notre ombre. Le problème, ce qui va nous enlever, il faut travailler. Ce qui peut nous enlever cette organisation, c'est qu'on ne soit pas dans les délais. On a dit moins 6 mois. En moins 6 mois, on doit déjà avoir toutes les infrastructures sportives, hôtelières, routières, tout là. Ça doit être là. Maintenant, moi, je suis content que les deux aient pris langue pour parler. Et quand ils prennent langue pour parler, c'est pour amener tout le monde à comprendre que non, du Maroc au Cameroun, il y a. Et quand ils prennent langue pour parler, c'est pour amener tout le monde à comprendre que non, du Maroc au Cameroun, il n'y a véritablement aucun problème. Et il ne devrait même en avoir aucun. Mais seulement, ce n'est pas parce que nous, je poursuis le même objectif que vous que je vous menace. Non. Je poursuis un objectif parce que moi, je me suis défini d'atteindre cet objectif. Et que vous avez la même définition, maintenant, nos forces vont... Chacun se donne les moyens pour atteindre cet objectif. On va donc affronter nos forces et on verra celui qui est le mieux outillé pour pouvoir atteindre son objectif. Donc, le Maroc ne nous menace pas. C'est la CAF, à travers son bureau exécutif, qui va, le moment venu, constater. Et tous les mécanismes de constat ont été déjà enclenchés. C'est pour cette raison qu'il y a les missions pour venir vérifier les infrastructures. Et à chaque mission, il y a des mentions qu'on porte. Et d'ici peu, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Non. Mettons-nous au travail. Et comme on a dit l'autre jour, le Premier ministre l'a même recommandé. On doit travailler de jour comme de nuit. On est content de regarder et de voir Olembeke, effectivement, de jour et de nuit, on travaille. Et si dans tous les chantiers, de jour et de nuit, on travaille, on n'a pas à s'effrayer. Ne créons pas une tempête dans un verre d'eau. Si nous dormons, nous allons nous noyer dans un verre d'eau. C'est de ça qu'il est question, c'est rien d'autre. Thierry Yao. Et nous devons aussi prier, beaucoup prier. Vous savez, le Cameroun a pris l'initiative d'engager la posture des préfabriqués. Mais le Cameroun a oublié les aléas de la nature. Vous savez, les préfabriqués, c'est toute cette transition de l'Europe. Imaginez-vous un instant, puisque nous sommes maintenant sur une lame de rasoir. C'est-à-dire que la construction est sur une lame de rasoir. Imaginez-vous un instant, on dit voici les 20 bateaux, voici les 10 bateaux qui vont acheminer peut-être tel nombre de tonnes de murs. Vous imaginez un naufrage? Imaginons-nous. Puisque hypothèse, tout est possible. Pourquoi? Nous vivons, cette situation vient de quoi? C'est ce que je soulève ici. Et je continue à soulever. C'est-à-dire la problématique entre la capacité et la capacité. Nous sommes dans un pays où des gens font de l'impôt et de l'imposture. Quelqu'un prend une place. Vous avez vu un peu, par exemple, la situation avec la Fédération cycliste. Quand il est nommé à un poste, est-ce que c'est toi qui m'as mis ici? Il faut qu'il te prélève. C'est cette mentalité. Comment a-t-on fait pour pouvoir être dans le compte à rebours? À moins, imaginez-vous, les préfabriqués, on vous dit un bateau n'est pas arrivé et que le délai est là. Nous sommes où? Donc, acceptons et puis digérons et on continue. Je continue à dire ceci. C'est une diplomatie du fair play, tout simplement. Et puis, c'est une occasion pour que le Cameroun puisse prendre des situations. Mais Maître Ibrahim, on reste objectif. Le Cameroun va organiser cette CAN 2019. Oui, non. Bien sûr, le Cameroun est déjà lancé, il n'y a pas de machine arrière. Nous avons l'obligation d'arriver au bout. Mais seulement, comme je disais, je pense pour moi, le Maroc, même si on dit qu'il veut l'organiser, je pense que leur objectif est vraiment la Coupe du Monde. Parce que ce n'est pas la première fois que le Maroc s'intéresse à la Coupe du Monde. Il s'était déjà... En 2010, déjà, c'est le cas. Avant même 2010, je me rappelle très bien. Avant même que l'Afrique du Sud ne se lance, il s'était déjà lancé une fois, mais ça n'avait pas marché.
eux, ils ont des objectifs planétaires. Bon, je pense que vraiment, en Afrique, nous avons l'Afrique du Sud, peut-être quelques autres pays du Maghreb. Mais nous devons tout faire pour atteindre notre objectif, comme ils disent, le jour dit. La Coupe d'Afrique des Nations doit se dérouler au Cameroun. Ça, il n'y a pas d'équivoque. Qui est naufrage de 50 bateaux ou de 1000 bateaux, eh bien, on va se débrouiller pour avoir les stades. Même si vous les préfabriqués disparaissent d'Italie, d'où ils sont justement préfabriqués pour atterrir au Cameroun par un champ de briquets, Alors, cette CAN va se disputer avec les Lions Indomptables du Cameroun, puisque le Cameroun sera pays organisateur. Mais avec quel entraîneur, là, la question se pose. Et on a appris ce vendredi que le comité de normalisation de la FECAFOOT a ouvert le chapitre de recrutement d'un nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale de football Fanion du Cameroun. Avec là, en cette période-ci, au Cameroun, on le sait très bien. Et ce n'est pas la première fois, on était rendu à la 15e édition. Le sait très bien. Au moins depuis un an, on sait au moins que l'année qui va suivre, on va le faire. Et on sait quels sont les délais dans les procédures. Donc, c'est pour nous, il faut commencer tôt. Dès qu'une course est finie, on entame les démarches pour l'autre. À tel enseigne que, quelle que soit la lenteur, au bout d'un an, ça aura abouti. Mais si nous attendons les dernières minutes, on sera coincé. Et je pense que c'est parce qu'on a attendu peut-être les dernières minutes, on a eu. Et n'oublions pas aussi que le Cameroun est engagé sur plusieurs chantiers. Véritablement, quand on dit que nous n'avons pas l'argent, c'est vrai qu'on n'en a pas. Parce que nous sommes engagés en tous les chantiers à la fois. On a même appris que le gouvernement dit que sa priorité en ce moment pour ce qui est du sport, c'est l'organisation de la CAN 2019. Donc s'il faut maintenant débloquer un budget, c'est pour la CAN. N'oublions pas que la CAN, nous avons gagné son organisation depuis 2014. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ça fait 4 ans. Mais parce que ce sera l'année prochaine, vous voyez, la procédure d'urgence. Nous allons entrer dans la procédure d'urgence. Nous sommes essentiellement urgentistes. Et à ce niveau-là, il peut avoir des loupés. Il peut avoir des loupés. Et s'il y a des loupés, on fait comment? Le Cameroun est engagé sur plusieurs fronts de dépenses. Plusieurs fronts. À tel enseigne que s'il y a un front qu'on peut négliger, on fera vite de le négliger. Vraiment, ce n'est pas pour insulter le cyclisme, mais c'est simplement pour dire qu'à un moment donné, ce n'est pas prioritaire. Ça n'a pas été prioritaire. Vu la masse salariale, la masse monétaire, qu'on peut manipuler à cet instant-là. Vassilios Olivier s'est mis en plus du Cameroun, en plus des coureurs camerounais. Il y avait près d'une dizaine de délégations qui étaient attendues au Cameroun. Deux étaient déjà présentes depuis le milieu de la semaine. Le Rwanda, l'Algérie. Une compétition internationale de cyclisme. Ce sont de gros moyens qu'on dégage parfois. Surtout pour les autres pays qui mettent beaucoup de moyens pour venir remporter ces compétitions même qui se déroulent au Cameroun. C'est une grosse déception tout de même pour une compétition qui est annoncée depuis plus d'un an. Eh bien, à partir du moment où nous avons l'habitude de dire qu'il n'y a pas de sport mineur, je crois que c'est une grosse déception. Donc il est clair que véritablement là on accuse un coup énorme. Je pense que cela va davantage ternir l'image de marque des sportifs que nous sommes. Il est clair que dans la vie, ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Donc, on se comporte un peu là comme si on est surpris de ce qui arrive, alors que la course elle-même, elle est annulée la veille du départ. Donc, au niveau des délégations, il y a des véritables manques à gagner, notamment sur le plan sportif. Pour les calendriers, n'est-ce pas, les fédérations qui sont professionnelles. Voyez-vous, il était prévu à cette période proprement dite que il y a des cyclistes des différentes fédérations qui seront là pour, n'est-ce pas, compétir. Et une compétition qui rentre dans le cadre d'un calendrier bien défini, autant par l'Union internationale cycliste, autant également par ces différentes fédérations. Donc voilà, c'est également un coup qui est accusé sur le plan financier. Pas seulement pour le Cameroun, beaucoup plus déjà pour cette fédération qui, n'est-ce pas, n'ont ménagé aucun moyen pour faire le déplacement, pour être au Cameroun. Donc, sur le plan culturel également, c'est le Cameroun qui prend un coup. Donc maintenant, il faut se poser des vraies questions parce que on ne doit pas être là pour dédouaner le ping-pong des ministères ou des personnes qui se déplacent. On a la 15e édition, n'est-ce pas,
du Tour cycliste international du Cameroun. Donc, c'est un programme bien connu à l'avance Donc, s'il y a échec, c'est que nous n'avons rien planifié. Parce que quand on ne planifie pas, c'est qu'on s'attend à l'échec. Quel est le vrai problème aujourd'hui? Est-ce que on annule parce que c'est l'État qui finance toujours le tour cycliste camerounais? Donc, si c'est là le problème, il faut que ce tour s'autofinance. Il y a des firmes internationales qui peuvent prendre en charge l'organisation du tour cycliste camerounais. Donc, on peut, à un moment donné, si on pousse la réflexion aussi profonde que cela puisse être, il est fort possible que si on a fait un peu une appel d'offres pour l'organisation du tour cycliste camerounais, c'est une compétition qu'on peut enlever aux Camerounais, même si elle va continuer à avoir l'appellation du tour cycliste camerounais. Mais ce qui se passe là, véritablement, je veux bien comprendre toutes les explications que Clément essaie de donner. Mais là, on a touché le fond. On a touché le fond. Parce que si le slogan que nous avons au Cameroun, celui du chef d'État, voulait qu'il n'y ait pas de sport mineur et que tous les sports se valent, je pense qu'on vient de tourner un coup. On vient d'assommer là le cyclisme camerounais dans toute sa grandeur. Ça, il faut le dire. Le Cameroun, qui s'est vu béni par l'Afrique, choisi pour organiser la course de l'espoir des 23 ans qui venait de se passer il y a encore quelques semaines. Dans le déroulement a été retentissant tout de même. Bien sûr. Dans le déroulement a été retentissant. Oui, ben, il faut le dire. Moi, je dis c'est une très grande désolation pour tous les sportifs. Parce que lorsque ça touche le cyclisme, qui est un sport, forcément, ça doit toucher toutes les autres fédérations. Thierry Arokamta, l'argument selon lequel l'enjeu majeur pour ce qui est du sport que le gouvernement a prévu gérer, c'est-à-dire toute activité sportive qui rentre dans le calendrier du gouvernement, dans le calendrier gouvernemental, l'enjeu le plus important, c'est celui de la CAN. Est-ce que c'est un argument qui tient quand on sait également que les autres compétitions participent au rayonnement du Cameroun à l'international? Tout de suite, cet argument... je balaie cet argument du revers de la main tout de suite. Ça, c'est pas un argument justifié. J'allais dire à justifier. Pourquoi? Vous savez, la fédération cycliste du Cameroun, c'est une fédération qui se doit d'avoir un budget. Donc, ce dérapage, je qualifie ainsi, est juste... Donc, c'est l'immaturité. Non, quand on s'accroche à la perfusion gouvernementale, perfusion. Oui, la perfusion gouvernementale n'existe plus. Puisque nous avons subi de nos jours, nous sommes au 21e siècle. Donc, les mutations sociologiques démontrent que nous ne sommes plus à l'ère du tout État, où l'État doit faire tout, où l'État est le perfuseur, l'État est le gendarme, le policier. La preuve, voilà, où on attend les finances de mettre en application les textes de l'État. C'est-à-dire, et ce sont ces personnes-là qui, de temps en temps, parfois, ont un souci. On venait de relever ici le problème qu'a eu le président de la Fédération camerounaise de foot, de la Ligue professionnelle, pour pouvoir lancer. Simplement, heureusement que lui, il a une carte de visite suffisamment. étoffée pour pouvoir susciter une attention quand lui, il parle. Mais maintenant, si vous n'avez pas la même étoffe ailleurs, ce sera difficile. Vous allez aller en tant que président de fédération, on ne va pas vous considérer au même rang que celui-là. Donc, et à la fin, c'est le Cameroun qui est plongé dans la boue. Et véritablement, nous devons à la fois laver la boue que nous avons encaissée et celle que nous avons suscitée chez les autres. Parce que le préjudice que nous avons causé chez les autres est tellement grand que, quelle que soit la nature de la sanction qu'on nous donnera, elle ne pourra pas être à la hauteur du préjudice causé dans aux autres. N'oublions pas qu'ici, notre cycliste expliquait que cette course-là, c'est une course de 2,5, je crois. Et les équipes qui vont venir chercher à magasiner le plus de points pour avoir de l'aura à l'international parce qu'ils voudraient passer un cap. Or, dans le programme, dans le calendrier de ces fédérations, on a mis cette compétition. Maintenant que cette compétition n'est pas là, où va-t-on trouver la substitution de ce tour-là pour pouvoir engranger les points qui étaient nécessaires pour pouvoir aller On n'imagine tout de même pas une Coupe d'Afrique des Nations de football annulée à la veille
du coup d'envoi pour un problème de budget. Ça confirme simplement ce qui s'est dit depuis sur ce plateau, la confirmation de la logique du sport mineur et du sport majeur au Cameroun. Ouais, ben disons que pour le cas du football par exemple, la Confédération africaine a mis les garde-fous, c'est-à-dire que on a un délai de 6 mois pour décider si vous allez accueillir la CAN ou pas. Donc au moment où 6 mois avant, entre 7 ou 8 mois avant, lorsque la dernière mission d'inspection arrive, si les travaux ne sont pas rendus à 80-90%, je pense que cela est suffisant pour vous étudier l'organisation de la CAN. Maintenant, c'est des questions qu'il faut se poser au niveau de l'Union cycliste internationale, parce que s'ils avaient eu ce genre de règlement, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le budget et la faisabilité, peut-être 2 mois ou 3 mois avant ou 1 mois avant, on annule la compétition ou on la repousse d'une date. Parce que ce qui se fait véritablement mal à ce niveau-là, c'est que la compétition elle-même a été annulée la veille du départ. Donc il n'y avait aucun gêne ou aucun mal. Si le mal était détecté, connu avant, dans la faisabilité, et qu'on avait saisi les délégations, y compris même les cyclistes camerounais qui se préparaient elles-mêmes de tout stopper, ou de renvoyer la date, ou simplement d'informer les participants que la course en elle-même elle n'aura pas lieu. À ce moment, on n'aurait pas eu le même tollé qu'on a ce jour. Parce que c'est à la veille du départ et à la dernière réunion, une réunion qui était censée, celle de mise au point, n'est-ce pas, du déroulement de la course proprement dite. C'est à cette réunion qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de budget. Maintenant, à qui la faute? Je pense que ici sur le plateau, on l'a déjà dit, la fédération cycliste est le premier responsable parce que sur le plan technique, elle n'a pas su tenir les rênes de l'organisation sur le plan technique. Parce que si on parle de la technicité, je prends un exemple, c'est-à-dire que je suis entraîneur de football, mon équipe joue à Bouya le lendemain. Je pense qu'en semaine, j'ai déjà discuté de les commodités, n'est-ce pas, du déplacement avant le match proprement dit. Hein, parce que le match, lui, il intervient si on a fait le déplacement. Si on n'a pas fait le déplacement, on le dit. Hein, parce que le match, lui, il intervient si on a fait le déplacement. Si on n'a pas fait le déplacement, on ne peut pas faire le match. Donc, il faut anticiper. Anticiper, c'est voir quels sont les moyens que nous avons pour faire le déplacement. Donc, si nous n'avons pas les moyens, nous avons un délai de 48 heures que nous a imposé la fédération pour demander le report de notre match, quitte à nous de chercher des moyens. Donc, c'est des mécanismes qui sont mis sur pied pour essayer de prévoir. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Et dans ce mot planifier, vous allez mettre tout ce qu'il y avait à planifier à l'intérieur, en commençant par l'organe technique qui avait encore des possibilités de dire, n'est-ce pas, à ces autres attendus que nous ne sommes pas dans la mesure de pouvoir vous accueillir. Nous ne sommes pas dans la mesure de pouvoir techniquement organiser la compétition. C'est-à-dire que nous n'avons pas la logistique pour, nous n'avons pas les moyens nutritionnels pour, nous n'avons pas les hébergements pour, nous n'avons pas plus les dispositions sécuritaires pour. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si tout cela est fait, l'argent que met l'État à disposition, c'est pour les prix, c'est pour les couvertures sociales, c'est pour l'assurance, c'est l'hébergement pour et autres. Donc, si à un moment donné, on est à la veille et qu'on n'a pas réuni les moyens pour, je pense qu'on a échoué longtemps avant. C'est une semaine avant, on doit être capable de dire que nous avons préparé un plan A ou un plan B. Donc, c'est clair, c'est un échec total. On va parler maintenant de l'organisation de notre compétition, celle-là peut-être qui rend le gouvernement un peu plus gai, la CAN 2019. Même pas. Et alors que, vous savez qu'il y a des informations qui ont circulé, hein, beaucoup de Camerounais, même au-delà des frontières camerounaises, beaucoup attribuent au Maroc la volonté de vouloir voler, c'est le mot, au Cameroun, l'organisation de la CAN 2019. Le point a été fait cette semaine par le président de la Fédération marocaine de football. Il était accompagné du président du comité d'information de l'Africa Foot, Mekwedu Dunapi. Ces deux
hommes ont donné une conférence de presse à Marrakech au Maroc où ils ont tenu à clarifier les choses. Le Maroc affirme qu'il est d'ailleurs même prêt à accompagner le Cameroun, à appuyer le Cameroun dans l'organisation de la CAN 2019. Je propose quelques extraits de cette conférence de presse. On se retrouve juste derrière un plateau. Merci à vous tous. Consiste à satisfaire nos membres sympathisants, supporters. Donc, cette alternation, j'allais dire l'alternative victoire défaite pour une première fois devant AS Fortuna. Mais quels sont les objectifs de Bambuto cette saison? C'est le club, l'un des clubs les plus populaires au Cameroun, mais depuis le retour en première division, Bambuto ne gagne rien. Le titre cette année, le titre est toujours le titre. C'est le club qui a 50 ans d'existence. Et vous avez donné les moyens pour cela? Oui, c'est le club qui a 50 ans d'existence. Et vous avez donné les moyens pour cela? Oui, pour porter un titre, quand même, il faut les moyens. Oui, vous savez, le budget de cette année n'est pas le même pour les années antérieures, surtout qu'on a eu à transférer le club, le siège d'entraînement au niveau du littoral. C'est-à-dire le recrutement des joueurs, logement, site hébergement et puis entraînement, c'est pas facile compte tenu de la réhabilitation du stade de Bouda. Et puis tous les moyens sont mis en place. La preuve, le recrutement a été fait d'une façon efficace. Et puis le reste à jouer, c'est face aux adversaires. Et puis compte tenu de la situation que nous avons eue, on a rebondi devant Edding. Et puis j'aurai l'occasion de t'expliquer et mieux distiller nos membres et sympathisants. Maître Ben, bonsoir. Vous êtes de la Fédération Camerounaise de Karaté et Discipline Affinitaire, mais vous êtes ce soir en plateau en qualité de directeur technique du FADAM, le Festival africain des arts martiaux. Les castings sont bouclés. Effectivement. L'impression que vous avez eue en bouclant ces castings, c'était laquelle? Nous sommes très satisfaits déjà de la manière où les castings se sont déroulés. Il y a eu une grosse affluence et je pense que nous avons eu sur l'ensemble du territoire près de 300 artistes, comme nous les appelons, qui ont été retenus. J'espère qu'ils vont briller et ils vont faire briller le Cameroun lors de ce festival. Et il faut rappeler qu'ils étaient un peu plus de 1000 postulants. Oui, ils étaient très nombreux. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais je me contente juste de ceux qui ont été retenus. Mais c'est tout. D'accord. Et la grande démonstration sera le mois prochain, au mois d'avril. Oui, c'est dans 27 jours, si je pense bien. Ça va être le 6 avril. On va commencer à Yaoundé et le 7 à Douala. Et le promoteur de ce festival, Maître Dominique. On va commencer à Yaoundé et le 7 à Douala. Et le promoteur de ce festival, Maître Dominique Satenan, qu'on appelle le Bruce Lee africain, a promis, ici même en plateau, sur le plateau d'Horizon Sport, qu'à cette occasion, le Cameroun accueillera pour la première fois des grands maîtres tels que Jackie Chan. Ça reste confirmé. Si, Jackie Chan, il sera là. Ça, c'est clair. Il sera au Cameroun. Il sera au Cameroun. Le grand maître, même le pape du temple de Shaolin, aussi sera là. Je pense que ça sera la première fois au Cameroun qu'on aura ces personnalités. Et j'espère que nous aurons l'occasion de les avoir prochainement, une autre fois, même si ce n'est pas dans le même cadre. D'accord. Merci à tous les quatre, messieurs, d'être en plateau ce soir. On va donc parler de cette annulation du 15e tour cycliste international du Cameroun. La compétition, le premier coup de pédale devait être donné ce samedi et la compétition devait s'achever le 15 mars prochain. Mais en début de matinée de lundi, on a appris qu'une réunion de concertation entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique, la Fédération camerounaise de cyclistes et l'Union cycliste international qui s'est tenu jeudi jusque tard dans la nuit n'a pas pu produire des résultats probants. Eh bien, tout ce qu'on a retenu, c'est que le budget qui devait être alloué à cette compétition n'est finalement pas disponible. Les procédures qui sont assez draconiennes du côté du ministère des Finances n'ont pas abouti à quelque chose. On sait qu'il y a eu changement de portefeuille, il y a un nouveau ministre des Finances qui est arrivé. Il était précédemment à l'économie, il débarque aux finances depuis lundi dernier officiellement. Aux finances débarque à l'économie. Est-ce que c'est ça qui a dû créer ces boulots d'étranglement? On ne pense pas plus que l'administration, elle est continue, bien évidemment. Donc, même s'il y a eu changement de ministre, la procédure, elle était déjà engagée depuis. Clément Zeko, à votre avis,
Comment est-ce qu'on doit appréhender cette annulation? C'est une grosse honte pour le Cameroun quand même. Oui, c'est le préjudice est grand, le préjudice sportif est grand. Et parce qu'on va causer un préjudice sportif très grand. Chez les autres, nous devons en être responsables. Et cette responsabilité ne peut pas nous réjouir. On ne peut pas se réjouir de ce que c'est arrivé comme ça. Et je rappelle qu'il y avait des délégations qui avaient déjà fait le déplacement. Oui, l'Algérie était là. Il y a les coureurs rwandais qui étaient déjà là. Il y a les coureurs algériens qui étaient déjà au Cameroun. Et il y a d'autres coureurs qui avaient déjà entamé les procédures pour faire le déplacement. À l'international, les délais étaient déjà entièrement dépassés pour pouvoir faire les mouvements. Parce que il faut d'abord pour les équipes qui veulent vraiment se mettre dans le bain, ils viennent avant pour s'acclimater avant de commencer. Donc tous les délais étaient à dépasser. Donc ceux qui ne sont pas encore arrivés, certainement sont en route. C'est vrai que la communication va vite, ils seront informés et ils vont arrêter leur voyage à l'endroit où ils vont se retrouver avant de retourner. Mais maintenant, je disais que le préjudice est très grand. Et parce que le préjudice est grand, nous devons nous sentir vraiment offusqués. Nous devons nous sentir déshonorés. Nous devons nous sentir un peu irresponsables, même pas un peu, très irresponsables, parce que une de nos habitudes, il faut qu'on le dise clairement, une de nos habitudes, qui voudrait qu'on croit, le Camerounais croit qu'il est maître du temps, qu'il a le temps. Ce qu'il doit faire à l'instant, il dit non, je peux faire ça demain, il n'y a pas de souci, je peux faire ça après. Or, nous sommes entrés dans une phase où ce qui est important, c'est ce qui est urgent. Ce qui est important, c'est ce qui est urgent. Quand ce n'est pas urgent, on ne prend pas la peine de se mettre en route. Jusqu'au moment où on se rend compte qu'on est pressé par les délais. Et parce qu'on est pressé par les délais, on va faire les choses d'une certaine manière. Or, avec l'argent, ça ne se passera pas de cette manière. Parce qu'il y aura des fautes de gestion. Si vous ne faites pas en respectant la procédure, il y aura faute de gestion. Même si vous ne détournez rien, il y aura faute de gestion. Donc, il y a à ce niveau-là ce manquement qui, à mon sens, aurait milité à ce que cela arrive. Parce que on sait deux sens aurait milité à ce que cela arrive. Parce que on sait depuis au moins un an qu'on aura une course de cette nature. Du gouvernement. L'État a dit qu'ils ont. Ils n'en ont pas. Il a sa priorité. Sa priorité, c'est la CAN. Comment a-t-on fait? Même cette priorité qui est la CAN, qui couvre le football. Est-ce que vous savez qu'on a renvoyé le championnat de football à trois reprises à cause des fonds? Est-ce que c'est ça aussi la priorité? Puisque la CAN est la coupe, c'est-à-dire que c'est la coupole. Le général Semeng était obligé de dire qu'il faut qu'on lance. Vous savez, il a fait de bec à ongle devant le ministre des Finances, devant le ministre des Sports. Et si on vous dit que les clubs jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore perçu leurs enveloppes, ça serait un scandale. J'arrive. Comment se fait-il que un tournoi majeur comme le cycliste se trouve capoté à la porte avec certaines équipes qui sont sur place? Le Cameroun est incapable de financer ce tour cycliste. Est-ce que le Cameroun sera capable donc de gérer le contentieux? Le Cameroun est incapable de financer ce tour cycliste. Est-ce que le Cameroun sera capable donc de gérer le contentieux? Le manque à gagner, puisque c'est une préparation pour tous les pays qui ont été invités. Et je dois rappeler que le budget en principe pour chaque compétition de tour cycliste international, c'est une centaine de millions environ qui sont débloqués par le gouvernement camerounais. Qu'est-ce que la fédération va donc faire pour pouvoir gérer ce contentieux du manque à gagner? C'est-à-dire dans l'esprit d'abord des annonceurs, dans l'esprit des Camerounais et dans l'esprit de tous ceux qui ont été invités. Parce que là, il y a des sanctions en perspective, parce que l'Union cycliste internationale va frapper le Cameroun. Il y a des sanctions qui sont donc prévues. Donc, il n'y a pas de sport majeur ou mineur. La priorité n'est pas l'urgence de la CAN ou du football. Si c'est le cas, regardons donc comment le championnat a été lancé. Maître Brahim, vous êtes de la Fédération camerounaise de karaté et discipline affinitaire. Avant d'aborder votre casquette de directeur technique du FADAM, le festival africain des arts martiaux. Je reste d'abord sur votre casquette de membre de la Fédération camerounaise de karaté et discipline affinitaire. Est-ce que entendre ce genre de choses, ça vous inquiète, vous qui êtes d'une fédération autre que celle qui gère le football? Est-ce que ça vous ramène sur cette réalité qui veut qu'on parle au Cameroun de sport majeur et de sport mineur? Ben, pour moi, vraiment, disons, ça ne m'étonne pas. Mais je dirais que c'est quand même un scandale
qu'en 2018, on se retrouve dans des situations de ce genre. C'est comme si nous ne savions pas depuis 15 ans, vous dites, qu'il y a la course, la 15e édition du Tour cycliste camerounais, qu'on ne savait pas qu'il y aurait une 15e édition. Que ce soit la fédération, elle aussi, elle est dans les mêmes problèmes que l'État. Si l'État doit te soutenir, tu dois aussi prendre tes dispositions. Parce que si chaque jour nous comptons sur l'État qui parfois a aussi ses limites et ses priorités, eh bien, il faudrait que les fédérations aussi cherchent des moyens, des voies et moyens pour pouvoir organiser des compétitions. Et surtout, quand on parle du Tour cycliste du Cameroun, c'est quand même des compétitions. Et surtout, quand on parle du Tour cycliste du Cameroun, c'est quand même pas une histoire seulement de la fédération. Ça touche déjà le Cameroun. Ça s'appelle au Cameroun des compétitions de souveraineté. Voilà, comme vous dites, souveraineté. Bon, dans le gouvernement, c'est prend l'État. Tout à sa charge, tout prend une grande partie. Prend une grosse partie. Voilà, une grosse partie, bien, si vous voulez, à sa charge. Sécurisé. Et la fédération n'assure que le volet technique, en principe. Oui, théoriquement. Ça, c'est tout est en théorie, là. Mais là où ils sont, là, vraiment, c'est la catastrophe. Parce que je ne sais pas comment est-ce que demain, on va redemander aux autres pays de venir l'année prochaine pour un autre tour cycliste. Je pense qu'ils vous diront que oui, d'accord, on viendra, attendez-nous toujours. On vous dit que nous allons prendre la pause. Hein. Mais non. Alors, selon vous, le plus gros problème ici, c'est quoi? C'est que ce n'est qu'à la veille du début de la compétition qu'on informe tous les supposés ou les prétendants, ou tous ceux qui doivent prendre part à cette compétition, que la compétition est finalement annulée, ou c'est simplement parce qu'il n'y a pas eu finalement le budget? Le plus gros problème, c'est quoi? Je pense que c'est pas aussi, s'ils ont attendu que certaines délégations soient arrivées pour se rendre compte qu'ils n'avaient pas d'argent, vraiment, je pense que les gars de la Fédé, il faut qu'ils revoient un peu ce qu'ils font. Parce que vous ne pouvez pas attendre que les délégations arrivent et puis vous leur dites « Ah ben écoutez, je pense qu'on ne va pas faire la compétition. » Les gars quand même, ils étaient en contact permanent. Parce que pour qu'une équipe quitte l'Algérie pour le Cameroun, c'est pas la porte, c'est pas Douala et Déa. La Fédération algérienne de cyclisme échange forcément avec la Fédération. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. C'est pas Douala et Déa pour qu'on se dise « Bon, il peut faire 30 minutes, il arrive. » Donc je pense que notre rôle à nous, dans notre pays, c'est de nous réorganiser et changer nos mentalités. C'est d'abord ça. Et finalement, sur les doigts de qui devrait-on frapper? Devrait-on frapper dans cet échec-là? La fédération d'abord, elle-même. La fédération. Ensuite, maintenant, on peut aussi... Dans cet échec-là. La fédération d'abord, elle-même. La fédération. Ensuite, maintenant, on peut aussi se plaindre de l'État. La fédération, à partir du moment où c'est elle l'organisatrice de la compétition, c'est elle qui connaît l'importance de cette compétition sur le calendrier, dans le calendrier de ses activités, elle connaît. Et connaissant l'importance, elle doit se donner les moyens nécessaires pour garantir un déroulement, même au minima possible. C'est-à-dire que sans loger tout le monde au paradis, mais qu'on soit quand même, pas en enfer, mais qu'on soit quand même capable de faire la compétition. Donc, c'est la fédération elle-même. Et quand on parle de la fédération, on sent donc que dans ses activités, elle doit apprendre ou bien elle doit se donner les moyens de lever les fonds. Et quand on connaît le tour cycliste du Cameroun, on sait que c'est un, comme nous le disons chaque fois ici, c'est un produit marchand que l'on peut bien vendre. Si un temps soit peu, on y met des marketistes. Il faut mettre des spécialistes à chaque endroit. Vous mettez des marketistes sur ce projet, ils vont vous donner les possibilités de lever les fonds. Et en levant ces fonds-là, on va garantir un minimum. Mais maintenant, dans la procédure avec l'État, il faut s'y prendre très tôt. Il faut s'y prendre très tôt pour que la lourdeur, la lenteur et même quoi d'autre, les sautes d'humeur par moment. Parce que parfois, les procédures sont respectées, mais les humeurs d'hommes sont de nature à laisser. On dit, bon, pour le moment, on va voir, on a autre chose. Alors que la procédure a abouti, il faut simplement décaisser. Donc, à côté de ça, je dis donc, même l'État doit être un peu être blâmé. Mais être blâmé simplement parce que, pas l'État en tant qu'institution, mais l'État en tant que, c'est plutôt le gouvernement, donc les personnes qui sont en charge.
Bonsoir à tous, bienvenue à Horizon Sport, vous êtes sur Equinox Télévision. Le 15e tour international cycliste du Cameroun n'aura pas lieu. Sport, vous êtes sur Equinox Télévision. Le 15e tour international cycliste du Cameroun n'aura finalement pas lieu. Le premier coup de pédale devait être donné ce samedi 10 mars 2018 et la compétition devait s'achever le 15 mars prochain, mais finalement ce ne sera pas le cas. L'Union cycliste internationale, l'UCI, a margé sa colère. On va le dire comme ça, a ruminé sa colère au Cameroun après avoir multiplié des réunions avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de cyclisme. Finalement, le budget qui devait être alloué à cette compétition n'a pas été débloqué. De grosses conséquences. Les conséquences lourdes sont envisagées pour le Cameroun qui pourrait ne pas participer aux prochaines échéances à l'international. En ce qui concerne le cyclisme dans cette édition d'Horizon Sport, nous parlerons également du championnat de Elite One qui est rendu à sa 7e journée ce dimanche et même le championnat Elite Two qui est rendu à sa 3e journée. Mais surtout, nous parlerons également de cette conférence de presse donnée cette semaine à Marrakech entre le président, avec le président de la Fédération camerounaise de football, le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football et le président de la Fédération royale marocaine de football. Le Maroc affirme qu'il n'a pas du tout l'intention de voler l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Le point a donc été fait cette semaine par le président de la Fédération royale marocaine de football. Voilà un peu le menu de cette édition de Horizon Sport avec nos invités en plateau ce soir. Clément Zeko, bonsoir. Bonsoir Hippolyte, bonsoir aux panélistes. Je dis bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs au rang desquels je mets les QPA qui sont en formation à l'heure actuelle à RC. Consultant sur Equinox Télévision, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle de l'annulation du 15e tour cycliste international du Cameroun? On est désolé, véritablement désolé, simplement parce que le temps d'annulation est tellement court qu'un certain nombre de choses n'ont pas pu être faites. Je prends par exemple la présence de l'Algérie et même du Rwanda. Pourquoi pas je prends par exemple la présence de l'Algérie et même du Rwanda. Pourquoi pas de l'officiel de la course? Ça fait en sorte que les délais n'ont pas été respectés. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'on pourra être sanctionné. Maintenant, quelles sont les raisons qui militent à cela? On nous parle de problèmes budgétaires. Nous savons tous que le Cameroun est un pays très procédurier. Et puis les procédures sont tellement longues et lentes que, comme il y a beaucoup de personnes qui interviennent, ce n'est pas très facile que les choses soient accélérées. Et n'oublions pas qu'il y a eu un événement le 2 mars, un événement de taille, avec le remaniement ministériel qui a touché à la fois le ministère de l'économie et des finances, a fait en sorte qu'il y a le temps de mettre les hommes en place et de passer parfois certaines écritures, ça peut prendre du temps. Je pense que en réfléchissant sur cet angle-là, on peut comprendre aisément pourquoi ça n'a pas pu marcher. Merci, Olivier Sébé, bonsoir. Bonsoir Hippolyte, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir aux amis sportifs. Vous êtes l'adjoint au chef de pôle de l'ANAFOOT pour la région du littoral et le directeur général de l'ANAFOOT a annoncé en début de week-end que la phase des formations effectives démarre ce samedi 10 mars 2018, après donc la phase des tests et des autres présélections que vous avez effectuées sur l'ensemble triangle national, mais précisément vous dans la région du littoral. Ben, je pense que le chronogramme a toujours été déroulé d'une manière universelle et commune. Donc à chaque fois qu'on doit entamer un programme, le DG fait une sortie pour communiquer, pour informer. Et je pense que c'est de ça qu'il était question. Donc après la vaste campagne d'enregistrement qui était partie du 18 décembre au 28 janvier, on a eu place au casting final qui, n'est-ce pas, était parti également du 2 février au 18 février. Donc là, on se rend compte qu'il était parti également du 2 février au 18 février. Donc là, on se rend compte que tout a été fait et les listes aujourd'hui sont mises à la disposition des chefs de pôle. Et suite, n'est-ce pas, à sa sortie, à cette conférence de presse, pour faire la publication officielle également des listes et le lancement du programme proprement dit de la préparation. Donc, dès demain, on va se mettre au travail à tour de rôle avec le chronogramme qui a arrêté dans la planification annuelle elle-même. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les stagiaires retenus seront externes dans les pôles.
régionale. Et bien évidemment, on travaillera 3 fois par semaine. Et à chaque fin de semaine, il y aura des rencontres d'évaluation pour continuer à mieux préparer ces jeunes. Thierry Yarokamta, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sylvestre. Vous êtes du management de Bambou Toss de Boudin Club d'Elite One au Cameroun. C'est la première division. On est rendu à la 6e journée et bientôt la 7e journée sera dimanche prochain. Bambou Toss de Bouda qui alterne entre victoire, défaite et match nul. C'est quoi la philosophie de ce club cette saison? Oui, la philosophie de Bambou Toss est la même. Le club le plus populaire du championnat national, voire de la sous-région de l'Afrique centrale. Le principe du travail est...